pour l'instant toujours un peu euphorique, je pense, même si j'ai déjà participé en 2016, ça reste des Jeux Olympiques, ça reste un truc énorme, donc voilà, toujours un peu euphorique, un peu excité, et puis et surtout c'est pas tout de suite, donc on s'est remis rapidement au travail avec Franck. Pour le moment, je me rends pas trop compte. Je profite du moment, j'attends. Là, on est en fin de prépa, donc là, c'est les derniers moments compliqués. C'est les dernières longueurs qui vont être difficiles, donc les premiers Jeux paralympiques pour moi, donc une expérience à prendre. Et première expérience avant le vrai objectif, les Jeux de Paris 2024, donc prendre de l'expérience et prendre du plaisir. Je suis sous les couleurs d'Antibes avec qui je nage depuis 3 ans, donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai fait le choix de venir ici parce que c'est un grand club historique et le CN Antibes m'a donné la chance de venir ici. Ils m'ont proposé de venir m'entraîner dans leur nouvelle structure qui est géniale. Donc aujourd'hui, comment refuser de venir s'entraîner ici? Et on a l'analyse vidéo, on a 2 bassins, les salles de muscu sont bien, les coachs sont parfaits. Donc aujourd'hui, j'avais pas d'autre choix que dire oui pour être le plus performant possible. Avec la carrière de Franck, la carrière d'Alain, tous ces grands champions qui sont passés par là, donc j'espère, on croise les doigts. En tout cas, je travaille pour, donc on verra. Là, objectif, être médaillé, puis après faire au moins une finale sur toutes les courses où je participe.